Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Les intempéries au sud. Une commission interministérielle à Ingesheim. Les autorités suivent de près la situation. Toutes les mesures seront prises pour prendre en charge les habitants sinistrés. À court de main-d'œuvre et pour ne pas perdre sa récolte de fruits, un exploitant agricole de Sidi-Ali-Ben-Youb a dû recourir à 600 travailleurs saisonniers venus pour la plupart de communes voisines. Le citoyen appelé à respecter les horaires de sortie des poubelles et les endroits désignés pour leur ramassage. L'entreprise Extranet, qui assure le ramassage dans 31 communes de la capitale, a adopté aussi un programme qui inclut le tri sélectif. Le respect des consignes de sécurité doit être rigoureux pour la baignade. Nager dans les barrages et autres retenues collinaires constitue un danger de mort. À suivre un reportage dans ce journal. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé son entière disponibilité pour le renforcement des relations d'amitié qui lient les deux pays. Le président Abdelaziz Bouteflika, qui a adressé aussi un message de félicitations à son homologue bolivien, Juan Evo Morales, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté à œuvrer au développement d'une coopération multiforme et fructueuse entre l'Algérie et la Bolivie. Je vous l'annonçais en titre, une commission interministérielle ce lundi à Ingesheim, 420 km à l'extrême sud de Tamanrasset, pour s'enquérir de la situation suite aux dernières intempéries, les intempéries qui ont touché cette région durant les derniers jours. L'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a affirmé lors d'une rencontre avec les élus locaux et les représentants de la société civile que les autorités suivaient de près la situation dans la région, assurant que toutes les mesures seront prises pour prendre en charge les habitants sinistrés. On parle souvent de chômage parmi les jeunes. Voilà pourquoi on a du mal à comprendre que des agriculteurs, par exemple, évoquent le manque de main-d'œuvre. Et pourtant, c'est souvent le cas. Dans l'exploitation que nous allons voir à Sidi Ali Ben Youb, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, on a dû recourir à des saisonniers en dehors de la commune pour ne pas perdre la récolte de fruits. Karim Haifa. À court de main-d'œuvre et pour ne pas perdre sa récolte, cet exploitant agricole a dû recourir à 600 saisonniers venus pour la plupart de très loin. Une main-d'œuvre qui vaut de l'or si l'on croit cet agriculteur, rassuré d'avoir pu mobiliser autant d'ouvriers agricoles pour sauver sa récolte. Nous sommes ici dans la daira de Sidi Ali Ben Youb où il y a une pénurie importante en main-d'œuvre. On est obligé d'aller chercher les saisonniers dans les localités voisines, à l'instar de Moulay Slissen, Zaourou ou encore Chitouane. L'exploitation qui s'étend sur 1100 hectares consacre pas moins de 487 hectares aux fruits destinés à l'exportation, des vergers à perte de vue traités avec des produits phytosanitaires aux normes internationales. Il y a un respect rigoureux des doses et de la durée d'utilisation de ces produits. En plus, il y a un soin particulier qui est fait pendant la cueillette, une période où ces arbres ne sont pas traités. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de résidus dans ces fruits une fois cueillis. L'exploitation agricole qui a connu ces dernières années une production record de fruits, grâce notamment au soutien de la Direction régionale de l'agriculture. Ceux qui veulent investir dans des projets aussi importants que celui-là, qui visent l'intérêt du pays, nous sommes là pour les soutenir et leur offrir des facilitations au niveau technique, administratif, ainsi qu'au niveau des banques. Des exploitations à la pointe de la technologie avec un système d'irrigation écologique avec un minimum de perte en eau grâce au goutte-à-goutte et qui investissent dans des bassins de rétention des eaux pluviales pour réduire un tant soit peu l'utilisation des eaux souterraines.
L'opération vétérinaire préventive lancée au début de l'été contre la fièvre aphteuse se poursuit et se renforce à l'approche de Eid al-Adha. Les vétérinaires se déplacent, contrôlent et prodiguent des conseils aux éleveurs mais aussi aux acheteurs. Menel Boutouaba. Chaque année, la fièvre aphteuse et le kyste idatique deviennent la hantise des Algériens à l'approche de la fête de Eid al-Adha. Les services vétérinaires rassurent, ils sont des milliers à être mobilisés dans toutes les communes du pays. Ils anticipent avec le contrôle du cheptel dans les points de vente autorisés et assurent également le suivi de l'abattage. Les maquignons viennent ici pour faire examiner leur bétail et obtenir tous les papiers attestant de la bonne santé de leurs bêtes. Nous avons même des gens qui viennent d'autres wilayas avec tous les papiers nécessaires comme le certificat de vaccination, l'autorisation de déplacement de leur cheptel pour savoir si l'animal a suivi tout le protocole. L'appel est donc lancé pour encourager les citoyens à se procurer leurs moutons auprès de ces points de vente autorisés. Le vétérinaire a aussi une mission de sensibilisation et d'orientation en direction des vendeurs et des acheteurs pour éviter tout problème le jour J. Pour la fièvre aphteuse, nous vérifions le fifomo au niveau de la cavité buccale. Oui, la main douche des aptes, au niveau filsano, ou firjle, naya, les espaces interdigités qui m'auraient été comme Kbila, bin sbate, bin les deux hedok, au niveau des mamelons. Donc on vérifie s'il n'y a pas des abcès, s'il n'y a pas de lésions telle la fièvre afteuse. Chaque année, nous nous fixons pour objectif une année sans kyste idatique. Mais il faut savoir que c'est au niveau de l'abattoir que l'on découvre cette pathologie. En examinant l'animal vivant, on ne peut pas savoir s'il y a présence de kyste ou pas. L'animal peut néanmoins présenter certaines caractéristiques. Il peut montrer des signes d'amaigrissement, des signes d'anémie. On le sent fatigué ou encore boiteux. Quand la bête présente ses symptômes, il faut l'éviter. Le ministère de l'Agriculture encourage également les citoyens à se diriger vers les établissements d'abattage répartis sur l'ensemble du territoire national pour y sacrifier leurs animaux dans une enceinte conforme et contrôlée. Attention à l'intoxication alimentaire. Avec les grandes chaleurs, les risques augmentent sérieusement. Là aussi, contrôle et sensibilisation constituent le fil conducteur de la stratégie adoptée. Menel Boutouaba. Avec la vague de chaleur qui sévit actuellement à travers tout le pays, le spectre de l'intoxication alimentaire plane. Le risque existe partout. Néanmoins, aucun cas n'a été signalé à ce jour auprès de la direction du commerce de la wilaya de Naama. Les services de contrôle et de répression des fraudes redoublent de vigilance pour prévenir tout danger. Des descentes sont effectuées régulièrement auprès des commerces et des restaurants. Aucun cas d'intoxication n'a été signalé concernant les commerçants. Nous effectuons des contrôles quotidiens chez les prestataires de services. Nous contrôlons aussi les produits alimentaires de grande consommation, surtout durant l'été. Beaucoup de commerçants sont désormais conscients de la nécessité du respect de la chaîne du froid qui exige que le produit frais soit conservé à la bonne température pendant le transport, la manutention et le stockage jusqu'à sa consommation finale. Le consommateur pourra se fier à la date de péremption pour savoir s'il est encore comestible ou pas. On vérifie d'abord la date de péremption de nos produits pour savoir si on achète de grandes quantités ou pas. On est doté de réfrigérateurs avec des voyants indiquant la température. Et les produits laitiers comme le yaourt sont conservés dans des frigos à part car ils se conservent à des températures allant de 6 à 8 degrés. À peu près tout ce qui est indiqué sur les étiquettes des produits est respecté par les commerçants. Le consommateur, dernier maillon se trouvant au bout de cette chaîne du froid, est aussi appelé à redoubler de vigilance pour chercher à savoir ce qui se passe en amont de la chaîne, surtout pendant l'été où le manque d'hygiène et les empoisonnements alimentaires tendent à prendre de l'ampleur. Le citoyen qui est appelé aussi à respecter rigoureusement les horaires de sortie des poubelles et les endroits désignés pour leur ramassage. L'entreprise Extranet, qui assure le ramassage dans 31 communes de la capitale, a adopté un programme qui inclut aussi le tri sélectif. C'est un reportage de Fouad Ahmani. Le commentaire est signé Yasmine Chouir.
Ce sont plus de 1700 tonnes de différents déchets que les agents de l'entreprise de nettoyage Extranet collectent au quotidien. Avec ses 5200 employés et ses plus de 500 camions, l'entreprise contribue considérablement dans l'opération d'assainissement urbain ainsi que dans le tri des différents déchets en vue du recyclage. Nous convenons d'un horaire avec les commerçants pour décider du moment où ils sortent les cartons. Après, nous on fait le tri en charge. C'est bien pour l'économie car tout cela va être recyclé. Moi ça me fait plaisir de voir mes concitoyens vivre dans un environnement propre. Notre unité couvre les communes de Rouibar, Raya et Herawa. Nous sommes spécialisés dans les opérations nocturnes. Nous nous chargeons de la collecte des déchets ménagers, le plastique, le pain, ainsi que l'opération de nettoyage des axes principaux et des conteneurs. La gestion de la collecte des déchets compte sur des moyens modernisés, que cela soit dans l'aspect humain ou informatique, et c'est là toute la fierté de cette entreprise. Notre mission, c'est de servir le citoyen. C'est un honneur pour nous. Nous sommes arrivés à faire entrer de nouvelles technologies dans le suivi à travers la géolocalisation de nos camions. Nous commençons même à faire du profit grâce au tri, par exemple, ou aux conventions avec certaines entreprises publiques ou privées qui nous payent pour la collecte des déchets et ça allège la caisse publique. Les difficultés de ce travail pourraient être considérablement allégées grâce à la participation du citoyen, et cela en respectant les horaires de sortie des déchets ménagers et les lieux de dépôt. Et c'est ce que préconisent les agents de nettoyage. Nous aimerions que les citoyens soient plus organisés, car il y a certains qui jettent des gravats. Ce n'est pas que notre responsabilité, mais celle de la société civile aussi. Comme vous le voyez, nous faisons ça au quotidien. Alors qu'il existe des poubelles spécialement faites pour le pain, il y a toujours des gens qui déposent n'importe où. Moi, en tant que citoyen, je respecte et je félicite ces hommes, car c'est grâce à eux que le pays est propre. La société Extranet couvre 31 communes des 57 communes d'Alger capitale, sur une superficie de plus de 675 km² et pour une population de plus de 2 300 000 habitants. Il ne se passe pas une semaine sans noyade au niveau des plages non surveillées, mais surtout dans les barrages, les retenues collinaires et autres plans d'eau. L'été n'est pas encore terminé et les bilans font déjà peur, alors prudence. C'est tout simple, respectons les consignes de sécurité. La responsabilité des parents est engagée aussi. Illustration Amsila avec Salem Kasser. Au nord de la Wilaya de M'sila Al-Qassab, les retenues d'eau sont les seuls moyens de se rafraîchir pour ces jeunes enfants essayant d'échapper à un climat caniculaire. Mais le danger est réel car ces lacs et ces mares réservent bien des surprises, fonds vaseux et rochers acérés. Ces endroits ne sont pas surveillés et même interdits. Nous n'avons pas où nous baigner, sauf ici, le lac supérieur est profond et très dangereux, des rochers partout. Nous amenons nos enfants ici, car il n'y a pas d'autre endroit, la piscine est fermée. Le drame est vite arrivé, une noyade vient d'être enregistrée, mais ce n'est pas la seule. 59 morts par noyade dans des plans d'eau ont été enregistrés dans tout le pays depuis le mois de juin. Et la plupart, c'est des adolescents. Depuis la fin du mois de mai au 26 juillet 2018, nous avons enregistré 9 cas de noyade, des enfants entre 3 et 16 ans. Nous comptons 4 piscines, 2 semi-olympiques et 2 de proximité et 3 autres mobiles, ce qui ne suffit pas vu l'étendue de la wilaya qui compte 47 communes. Les parents doivent rester vigilants car ces lacs et retenues d'eau représentent un piège meurtrier en ces périodes de grande chaleur. Aux autorités locales également de réaliser des parcs aquatiques pour que ces enfants vivant dans les zones enclavées puissent nager en toute sécurité.
L'ASAL, l'agence spatiale algérienne et la société de droit britannique Wiscom Aerospace ont établi un partenariat dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans les domaines des technologies spatiales. Ce partenariat associe également la compagnie 02 Infinity de droit espagnol spécialisée dans l'ingénierie et aérospatiale. Il permettra de renforcer le capital expérience déjà acquis par les ingénieurs algériens. Il renforcera aussi l'autonomie des équipes de l'ASAL dans de nouveaux créneaux. La société Wiscom Aerospace, basée à Oxford, est dirigée, précise l'ASAL, par un ressortissant algérien, Abdou Attou, éminent chercheur ayant reçu en 2017 le prix de l'innovation stratégique dans l'aérospatiale du gouvernement britannique. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Tipaza 4 bombes de confection artisanale, alors qu'un autre détachement a détruit un abri pour groupe terroriste à Boumerdès. Par ailleurs, un détachement de l'AMP a intercepté à Biskra un contrebandier à bord d'un camion chargé de 16 quintaux de tabac, alors que des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 94 kg de kif traité. De même, des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Tébessa deux individus qui étaient en possession de deux fusils de chasse, précise le communiqué du MDN. Troisième jour de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD à Boumerdès. Cette neuvième édition a été aussi une tribune pour des témoignages poignants de journalistes, de militants et d'étudiants sur la répression qu'ils subissent de la part de l'occupation marocaine. Naïma Nouyouet, Naïma Chekchek. C'est ainsi que l'image est assassinée dans les territoires occupés au Sahara occidental. Hayat Khattari, une journaliste activiste sahraoui, utilise alors sa caméra pour dénoncer l'atrocité des crimes commis sur les Sahraouis. J'ai personnellement fait l'objet de pressions et de poursuites, surtout durant le dernier incident qui a coïncidé avec la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Les Sahraouis étaient présents en force pour l'événement afin d'exprimer leurs vœux pour la liberté et l'indépendance. J'étais présente sur le terrain comme journaliste et j'ai tenté de recueillir les faits, sauf que j'ai été directement soumise à la violence et à la répression. La répression qui vise tout le monde sans distinction, avec notamment des emprisonnements, des viols et des assassinats. Durant mon cursus universitaire, j'ai vécu toute l'expérience du Shahid Abdelrahim Badri. C'était un fervent militant dans le milieu universitaire. C'est ainsi que les services marocains l'ont assassiné à 9h du matin lors du mois de Ramadan, alors qu'il était en train d'accrocher des photos de prisonniers et de shuhada dans l'enceinte universitaire, chose qu'il faisait quotidiennement. Des violations qui ont davantage attiré l'attention des organisations des droits de l'homme, celles-ci qui appellent à trouver des mécanismes onusiens pour le contrôle des droits de l'homme au Sahara occidental. De cette lutte continue, on a résulté un ensemble de décisions et de positions internationales qui étaient claires dans leur soutien du droit du peuple sahraoui à l'indépendance, à l'existence, à la liberté et à la dignité. Et certainement que la dernière décision de l'Union africaine, lors du dernier sommet de Nouakchott, était la meilleure réponse à la colonisation marocaine. Mais aussi, il faut noter la décision de la Cour de justice européenne. C'est la quête d'un droit intimement lié au droit politique et civil que celui du peuple sahraoui, dont l'indépendance et son droit à l'autodétermination sont des constantes inaliénables. Et à propos du Sahara occidental, l'émissaire de l'ONU, Horst Köhler, fera mercredi un briefing au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale visant à relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc à l'arrêt depuis 2012. Köhler devrait informer le Conseil de sécurité de ses récentes activités menées dans le cadre du processus onusien. Il s'agit là du deuxième briefing de Horst Köhler depuis sa nomination comme envoyé personnel
personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. À Sidi Fredj, fin de la première session de colonies de vacances organisée au profit d'enfants palestiniens, des vacances en bord de mer où les enfants se sont bien amusés, des vacances sous le signe de la solidarité et de la paix. Hassiba Abdallah. C'est la fin de la colonie de vacances au profit des enfants palestiniens en Algérie. Une initiative qui regroupe également des enfants algériens. Ensemble, ils apprennent le respect et l'amour de l'autre. Ils nous ont accueillis avec des bouquets de fleurs. Ils nous ont considérés comme des frères. C'est comme si on était dans notre pays. On ne s'est pas senti étranger. Ils nous considèrent comme des frères et nous aussi on considère les Algériens comme tels. Quant à la colonie de vacances, pour moi, elle représente le respect. Tout est beau. Ça nous plaît beaucoup. Les animateurs nous proposent des soirées magnifiques. Ils font tout pour qu'on soit heureux. Dans cette colonie de vacances, des activités riches en émotions, mais surtout beaucoup de messages de résistance et de lutte pour la liberté. Ce contact entre les enfants des deux peuples est essentiel pour faire comprendre à nos enfants la légitimité de la cause palestinienne afin qu'ils la soutiennent à leur tour. Ce qui est beau et qui m'étonne à la fois, c'est le fait que cette initiative a levé le voile sur des compétences chez nos enfants que nous ignorions jusque-là. Parce qu'à la base, nos enfants n'ont pas cette chance de vivre et de profiter pleinement de leur enfance ou encore développer leurs compétences. Solidarité, paix, amour et fraternité, c'est ce que ces enfants palestiniens et algériens ont appris le temps de ce campement.